Monsieur le Président, les familles d'enfants gravement malades ont besoin d'aide immédiatement. Pas une séance de photos avec le Premier ministre. Les conservateurs se sont engagés à aider les familles avec des enfants gravement malades lors de leur dernière campagne électorale, tout comme ils l'ont fait avec les familles d'enfants portés disparus ou assassinés. Mais ils n'ont pas tenu promesse lors de leur dernier budget. Pourquoi les conservateurs renient leurs promesses et laissent tomber les enfants malades et leurs familles ? L'honorable ministre des Relations humaines.